Bienvenue dans Big Boss, votre rendez-vous avec l'actualité économique que j'ai l'honneur de présenter avec vous, Paul. Bonjour Marie-Noël, bonjour à toutes et tous et bonjour à vous, Denis Delforge. Bonjour. Vous êtes le patron de Brussels Expo, parc d'exposition, mais pas que, on verra ça en détail. Vous avez 40 ans tout pile, paraît-il, si je suis bien informé. Et vous êtes, ceci dit, à la tête de l'entreprise depuis déjà quelques années et depuis, dans l'entreprise depuis, alors là, on compte plus presque, ça fait un moment. Oui, ça fait plus de 10 ans que je suis arrivé à Brussels Expo. Donc je suis arrivé même en 2003, donc ça va faire bientôt 14 ans, le temps file tellement. Et ça fait 4 ans que j'occupe la position de CEO à Brussels. Et vous avez occupé une série de fonctions, vous avez gravi les échelons finalement. Exact, un à un et patiemment. Et donc j'ai commencé comme auditeur interne, et puis contrôleur de gestion, et puis attaché de direction, et puis directeur administratif pour finir par être le CEO il y a ça 4 ans et demi. Et vous êtes arrivé un peu par hasard? Je suis arrivé tout à fait par hasard. J'avais fait 3 ans dans un cabinet d'audit réviseur d'entreprise. Et puis, je cherchais des développements à ma carrière. Et donc, j'hésitais entre la finance pure et partir à Londres. Et puis, j'ai été démarché parce qu'il y avait eu un petit problème au niveau d'un détournement d'argent au niveau du parc des expositions de Bruxelles. Et donc, ils désiraient mettre des contrôles internes et des procédures en place. Et donc, j'ai finalement fait ce choix-là. Très bien. Alors, on va le voir. Pour faire plus ample connaissance, parfois rentrer dans le bureau du boss, ça peut vous apprendre pas mal de détails sur sa personnalité. On voit tout de suite ce que ça donne à Brussels Expo. Me voilà donc assise à la place de Denis Delforge dans un bureau plutôt spacieux et même très lumineux, avec une vue imprenable sur le plateau du Hesel. Malgré la vue sur l'Atomium, le patron de Brussels Expo adore visiblement le monument puisqu'il y a des esquisses ici signées Pollack. Il y a également une plaque de l'Atomium. On se demande si on vous l'a offerte ou si vous l'avez achetée. Visiblement, le big boss de Brussels Expo est amateur de design. Il y a au moins 3 ouvrages qui traitent du design sur l'une de ses armoires. Mais il y a aussi des livres un peu plus intrigants qui méritent une explication. Qu'est-ce que ceci? Alors Denis Delforge, Barbie, ça mérite une explication. Alors c'est le catalogue de l'exposition de Barbie et c'est une exposition que j'ai découvert tout à fait par hasard en visitant un musée, le musée des arts décoratifs à Paris. Et donc depuis 7 ans maintenant, Brussels Expo, on organise une exposition grand public pendant les mois d'été. On vient d'ouvrir les dinosaures et l'année passée on a eu une expo à grand succès qui était Harry Potter, on a fait Titanic. Et donc on envisage effectivement la production d'une expo sur Barbie et le rôle de la femme dans la société. Et donc on a la recherche d'un lieu parce que cette exposition a été créée par un musée, le musée des arts décoratifs de Paris, et veut plutôt s'associer à un lieu du type muséal qu'à un parc des expositions de Bruxelles. Mais donc on envisage de faire cette exposition prochainement à Bruxelles, effectivement. L'idée, c'est de remplir les palais quand ils sont vides, en été notamment, ou dans les périodes creuses, quoi. Exactement. Donc il y a 7 ans de ça, on a lancé cette initiative de faire tous les étés une grande exposition. Et en fait, le secteur privé, les organisateurs n'osaient pas trop faire ça en été, parce qu'ils disaient, oh, les mois d'été, les gens sont partis. Et on a pris le risque, il y a 7 ans, en interne, en faisant la promotion d'une grande exposition qui était Titanic, qui était Toutankhamon. Mm-hmm. Titanic, c'était l'année d'après. Et on a eu plus de 320 000 visiteurs sur principalement les mois d'été, parce qu'en fait, il y a énormément de familles belges, parce qu'en fait, c'est un public belge qui vient à ces expositions, qui cherche une activité pendant l'été. Et personne ne part pendant 2 mois de vacances, et donc la plupart des gens cherchent des activités familiales. Dans votre bureau, pas mal de traces de l'Atomium. Pourquoi? C'est parce que vous êtes bruxellois et qu'en bon bruxellois, on adore l'Atomium? Non, c'est pour d'autres raisons. C'est parce que historiquement, l'Atomium était géré par Brussels Expo. Donc, mais là, on parle d'il y a 20-30 ans. Et puis, on est resté en bon voisin. Et donc, je suis personnellement administrateur de l'Atomium. Et donc, oui, la plaque de l'Atomium, il y a des esquisses, etc. Et puis, de mon bureau, vous voyez l'Atomium. Et donc, c'est vraiment une relation de bon voisinage. Et ça vous manque, l'Atomium, d'être... que Brussels Expo soit plus partie prenante? J'ai jamais connu... puisque moi, je suis arrivé en 2003, l'Atomium était déjà géré de façon autonome. Donc, moi, j'ai jamais connu la gestion par Brussels Expo de l'Atomium. C'est pas un regret, non. Et on collabore notamment sur les grandes expositions qu'on vient de mentionner, où avec une entrée de l'Atomium, on peut avoir une réduction sur l'expo et vice-versa. Alors, vous n'êtes pas une société commerciale au sens propre, mais pour découvrir un petit peu ce que vous faites, eh bien, je vous propose de vous plonger dans les coulisses de Brussels Expo. C'est du haut de l'Atomium que l'on apprécie le mieux l'étendue de Brussels Expo. 115 000 mètres carrés, 12 palais, pour la plupart héritage des expositions universelles de 1935 et 1958.
L'activité phare du groupe, l'organisation de foires et de salons. 41 en tout sur les 135 événements accueillis l'an dernier. Car Brussels Expo, c'est aussi la mise à disposition des palais pour l'organisation d'événements d'entreprise ou privés. Le Palais 5, ce jour-là, est réservé à une star internationale qui répète en secret son prochain show. C'est à peu près 1 euro par mètre carré par jour. Et quand je dis jour, je dis bien 24 heures, donc de minuit à minuit. Et comme le 5, c'est le plus grand palais qui existe en Benelux, ça fait donc 13 500 mètres carrés. En surface, c'est donc 13 500 euros par jour. L'ouverture du Palais 12 en 2013 et sa salle de concert de 15 000 places marquent un tournant dans les activités de Brussels Expo. Le pôle divertissement est né, amenant dans le giron du groupe des salles mythiques comme la Madeleine ou plus récemment le Cirque Royal. Sur le Palais 12, on a eu 40 de concerts l'année passée. À terme, j'aimerais bien arriver entre 80 et 100. Donc c'était l'année passée plus ou moins un peu plus de 200 000 visiteurs, pour donner une idée. Et la Madeleine, elle a été ouverte l'année passée, donc c'est vraiment de la croissance et du développement pour le moment. Quant au cirque, eh bien, là on reprend une histoire qui existe déjà et qu'on va continuer à développer. Une grande partie de l'équipe de Brussels Expo est dédiée à l'entretien des bâtiments. Une trentaine de personnes sur les 110 membres du personnel est chargée de la maintenance des palais, avant, pendant et après les événements. L'un des gros chantiers en cours, la rénovation complète des 48 postes sanitaires, quelques 2200 m². Sur 3 ans, 25 millions d'euros sont ainsi dédiés à la modernisation des palais. Et pour satisfaire ces 2 400 000 visiteurs, un tout nouveau département dédié à la restauration s'est ouvert l'an dernier. Fini de sous-traiter à un seul fournisseur, Brussels Expo coordonne désormais l'entièreté de l'offre catering. Quand j'ai commencé au mois de juin, j'étais tout seul. Maintenant, nous sommes 13. Donc oui, effectivement, une grande équipe qui se prépare. Beaucoup, beaucoup à côté de ça, de l'intérim également. Mais ça représente, grosso modo, sur l'ensemble du salon de l'auto, plus ou moins 300 personnes qui travaillent pour tout ce qui est catering. Aujourd'hui, Brussels Expo génère un chiffre d'affaires de 44 millions d'euros. Voilà, Brussels Expo en images et en son de Lille Forge. Vous n'êtes pas une société commerciale au sens strict, vous n'êtes pas là pour faire un maximum de bénéfices, vous êtes là pour faire tourner. Vous êtes là pour quoi? Quel est le rôle de Brussels Expo? D'abord, on est là pour faire rayonner Bruxelles au niveau du tourisme, aussi bien du tourisme de loisirs que du tourisme d'affaires. Et c'est principalement notre secteur d'activité sur le tourisme d'affaires. Ça, c'est la première chose. Et on est là aussi pour entretenir un patrimoine et un héritage historique de Bruxelles que sont les palais d'exposition du Hesel. Donc on est quand même dans une gestion très autonome et de type privé et commercial pour essayer de dégager le maximum de moyens qu'on réinvestit 100% dans nos bâtiments, au contraire d'un acteur privé qui aurait tendance à rémunérer ses actionnaires. Donc vous n'avez pas de subsides de la ville ? On reçoit pas de subsides structurels de la ville, on reçoit de temps en temps un petit subside sur des projets bien définis, mais en fait on n'a pas du tout de subsides structurels et on n'en a jamais eu historiquement. Donc on est 100% autofinancé. Et par exemple, la construction du Palais 12 qui a été un budget de 25 millions d'euros, il n'y a pas eu 1 euro d'argent public dans les comptes, on voit quand même de temps en temps passer des subsides. Hein. Ceci dit, mais pas des choses énormes qui soient déterminantes. Spécifiques. Ouais. Ces bâtiments que vous avez en gestion, qui est votre héritage, est-ce qu'ils n'ont pas un peu fait leur temps, finalement? Ils datent des deux expos universelles, 35 et 56. Ça commence à avoir vieilli, l'air de rien, non? Est-ce que c'est encore au goût du jour? Alors, c'était un gros défi, d'ailleurs, quand j'ai repris la direction de Brussels Expo, c'est qu'effectivement, les bâtiments sont assez obsolètes. Et on avait une tendance sur les 10 dernières années à avoir sous-investi dans les bâtiments et d'avoir assuré un entretien qui n'était pas au niveau de l'entretien que ces bâtiments requièrent. Et donc on avait un gros risque en fait d'avoir à la fois une activité qui était en baisse, les activités de foire et salon qui sont une activité mature, et des bâtiments qui étaient un peu vieillots pour les activités qu'ils accueillent, parce que par rapport à nos concurrents européens, principalement les Allemands et les Français, mais même les Italiens et les Espagnols, ils ont des parcs d'exposition qui ont été construits dans les années 90 ou 2000 et qui sont... Ouais, c'est d'autres concepts en somme. C'est d'autres concepts qui ont été financés d'ailleurs par les pouvoirs publics ou par l'Europe parfois, en ce qui concerne l'Espagne et l'Italie. Donc c'est... Voilà, oui, effectivement, c'est un gros défi l'entretien de ces bâtiments. On voit dans le reportage, vous investissez pour l'instant dans les sanitaires. Ça paraît un peu rigolo, mais en fait, il y a des milliers de mètres carrés de sanitaires. Et c'est quoi le chantier de demain? Parce qu'au niveau de la technologie notamment, vous avez une carte à jouer. Alors on a effectivement un plan d'investissement assez ambitieux sur les 3 années qu'on vient de développer, d'environ 25 millions d'euros qui vont être investis. Donc c'est 8 millions d'euros pendant 3 ans
Dedans, il y a les sanitaires. Et les sanitaires, pour reprendre l'exemple, c'est 5 millions d'euros juste pour rénover l'ensemble des sanitaires. C'est pour vous donner l'importance du nombre de ce type de postes. À côté de ça, qui sont vraiment des remises en état du niveau standard des bâtiments, on a effectivement des projets dans les technologies. Et je suis assez adepte de rénover ces bâtiments. Et ce n'est pas parce que, justement, on a le caractère un peu vieux, ancien, l'héritage des expos de 1935 et 1958, qu'on doit avoir que ça. Et ça ne nous empêche pas d'être aujourd'hui à la pointe de la modernité dans les technologies, les connectivités, etc. N'empêche, je suis étonnée, pas un seul panneau photovoltaïque, alors que votre voisin, le musée, lui, il en a plein le toit. Vous n'êtes pas un peu en retard, là, au niveau du développement durable ? Alors, le développement durable, c'est effectivement un sujet important pour nous. Et c'est très difficile à mettre en œuvre sur des bâtiments qui datent de 1935 et 1958 principalement. Parce qu'ils sont classés ? Non, ils ne sont pas classés. Donc, même ça, le Palais 5 ? Ils ne sont pas classés, le Palais 5. Ni la façade, ni le bâtiment lui-même n'est classé. Ce qui nous permet quand même d'intervenir plus facilement pour adapter ces bâtiments pour qu'ils soient aux normes au niveau événementiel. Alors, qu'est-ce qu'il passe ? C'est pas tellement la question. Ces bâtiments-là, en termes d'énergie, par exemple, en termes de fuite énergétique, c'est très important, comme les vieilles maisons, etc. Et donc, c'est rien que les châssis. Si on doit changer les châssis et les fenêtres du Palais 5 pour mettre du double vitrage, vous avez des kilomètres carrés de surface de... Donc, c'est impayable. C'est ça que vous êtes en train de dire. C'est impayable pour nous. Et en fait, ce serait vraiment plus de l'image que de mettre des panneaux photovoltaïques. Ou parallèlement à ça, il y a des fuites énormes. Et puis, le secteur des foires et salons en lui-même est un secteur qui doit se réinventer au niveau du développement durable parce qu'il y a énormément de déchets qui sont générés par ça. Et donc, par exemple, on a pris toute une série de mesures en termes de développement durable du tri des déchets. Et on impose à nos organisateurs des tris. Et ça, c'est des mesures efficaces qui montrent tout de suite des résultats, contrairement à des panneaux photovoltaïques qui, en termes énergétiques, on a d'autres défis à gérer. Donc on est dans le développement durable, mais plus au niveau de la gestion des salons que dans les bâtiments eux-mêmes qui sont... On va regarder les chiffres, Paul. Oui, parce que c'est toujours bon de voir comment ça tourne, surtout dans la durée. Les voici, on a choisi deux données, les ventes, les chiffres d'affaires depuis 10 ans. On voit qu'en fait, vous êtes au plus haut depuis 10 ans, 43,9, 44 millions d'euros de chiffre d'affaires pour Brussels Expo. Le nombre de visiteurs, par contre, ce n'est pas forcément le cas. Vous êtes plutôt légère baisse. Là, on est à 2,4 millions. C'est quand même 800 000 visiteurs en plus qu'il y a 5 ans. C'est beaucoup. Mais ça fléchit. Comme quoi, il n'y a pas de lien entre les deux. Qu'est-ce qui fait que ça a baissé ? Il n'y a pas un lien effectivement immédiat entre le chiffre d'affaires et le nombre de visiteurs. Parce qu'on n'est pas un parc d'attractions où, en fait, s'il y a plus d'entrées, ben, on a plus de visiteurs et plus de chiffre d'affaires. On a des événements totalement hétérogènes. Donc, par exemple, on a des salons grand public comme le Salon de l'Auto qui attire 600 000 visiteurs en 10 jours. Et puis, on a un événement comme Seafood qui, en 3 jours, attire des visiteurs étrangers et qui attire 30 000 visiteurs. Et puis, on a des événements corporate comme le lancement d'une marque ou de changement d'un nom. Comme Mobistar récemment. Et donc là, par exemple, c'est 1000 visiteurs et pourtant, c'est des budgets importants et donc c'est du chiffre d'affaires important pour nous. Donc c'est très difficile de faire une corrélation entre le nombre de visiteurs et le chiffre d'affaires. Et qu'est-ce qui est le plus important ? C'est une ASBL qui est là pour faire rayonner Bruxelles à sa manière, dans son créneau. Le plus important, c'est quoi ? Faire du volume, du chiffre, de l'argent au maximum ou bien attirer le plus de visiteurs possible sur Bruxelles ? Ben, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux en fait. Donc à la fois, comme je l'ai dit, on a un héritage et un patrimoine à entretenir et donc on doit dégager des moyens pour entretenir ce patrimoine. Donc ça, c'est une de nos missions. Mais on a aussi la mission de faire rayonner Bruxelles. Et dans le rayonnement de Bruxelles, il y a attirer du monde à Bruxelles, des visiteurs étrangers qui vont dépenser beaucoup d'argent dans Bruxelles. Et par exemple, pendant un salon comme Seafood ou les Bull Expo, Bruxelles est remplie, les hôtels sont remplis, les restaurants sont remplis, les taxis font du chiffre d'affaires. Et donc, il y a ce côté-là aussi. Et donc, c'est les deux. C'est attirer à la fois du monde et c'est faire du chiffre d'affaires et du profit pour en réinvestir dans nos infrastructures. Un dernier petit mot en termes de chiffres. L'emploi, est-ce qu'il est en croissance chez vous ? C'est en tout cas l'impression qu'on a. On le voit, le département catering, restauration qui brasse de nouveaux emplois. Donc, où est-ce que vous en êtes à ce niveau-là ? Est-ce que vous vous engagez ? Alors, on engage beaucoup depuis maintenant 3-4 ans, puisqu'on a fait un tournant dans notre stratégie. On s'est diversifié dans des nouvelles activités. Donc, on a lancé dans le divertissement toute une série d'activités, à la fois de promotion d'événements et à la fois de gestion d'infrastructures, comme le Palais 12 et la Salle de la Madeleine et bientôt le Cirque Royal. Et donc, on a engagé beaucoup de personnes dans ces nouveaux secteurs. On a repris effectivement les activités de catering. Et donc là, on engage aussi. Et puis, on lance toute une série de nouveaux services dans les nouvelles technologies. Et là également, on est à la recherche de nombreux profils. Donc, on a beaucoup engagé ces dernières années, c'est vrai. Et donc, vous allez passer de combien à combien ? On a parlé d'une centaine d'emplois. Vous allez atteindre quel chiffre ? Mais aujourd'hui, on est déjà, par rapport au rapport annuel de l'année passée, on est déjà à 115. Et je pense qu'on sera aux alentours de 130 personnes dans les 12 mois. Et puis, on va continuer à croître.
mais c'est pas fini. Ouais, ouais. Alors justement, on va parler, vous avez évoqué le Palais 12, on va parler justement de l'actualité récente. L'écho cette semaine revenait sur les attentats à Manchester. Oui, dans cet article notamment intitulé « Les Britanniques entre l'arme et raison », on est évidemment revenu sur le drame de Manchester lundi et ses nouveaux attentats, malheureusement. Et ça concerne notamment les salles de concert, et pour cause, il est question de chasser les spectateurs pour les protéger. C'est un petit peu c'est le titre qu'on a repris pour cet angle de ce sujet compliqué. Face à ces types d'attaques, les salles signalent qu'elles tâcheront de limiter les rassemblements post-concert et de fluidifier la sortie des spectateurs. Vous êtes aussi dans ce domaine-là, vous, avec la Madeleine, avec le Palais 12, hein, qui accueille des méga-concerts, etc. Est-ce qu'on doit encore augmenter la sécurité? Est-ce que vous allez, vous, après Manchester, encore devoir relever, d'une manière ou d'une autre, la sécurité? Et comment? Alors, on la renforce, mais de façon très ponctuelle, parce qu'en fait, on avait déjà totalement appréhendé cette problématique depuis 2015. Donc, ça fait que 2 ans qu'au niveau de Brussels Expo, on travaille à la sécurité des visiteurs et qu'on a pris toute une série de mesures drastiques pour, au maximum, parce que on doit malheureusement dire qu'on ne peut pas garantir qu'on va éviter un attentat, mais pour au maximum garantir la sécurité de nos visiteurs. Comme quoi, concrètement ? Alors en fait, on a un énorme avantage si on prend le Palais 12, mais en fait, pour l'ensemble des salons, on a aussi cette problématique. Donc un exemple concret du Palais 12, c'est qu'on a une double enceinte. Donc ce qui est arrivé à Manchester n'était pas possible chez nous, parce qu'en fait, il n'y a pas de foyer accessible au public qui n'a pas détenteur d'un billet. Et donc aujourd'hui, si vous venez voir un concert, vous avez une double enceinte, ce qui vous garantit qu'en fait, tous les sacs sont fouillés, et c'est que quand vous arrivez sur la voirie que vous allez être potentiellement en zone publique. Donc vous avez vraiment une énorme esplanade qui est totalement privatisée et sécurisée avec des forces de police, avec des militaires qui sont là à chaque concert, et vous avez fait l'objet d'une fouille systématique. Donc il n'y a plus de sacs qui sont acceptés, mais ça c'est un... Mais la problématique à Manchester, c'était à la sortie du concert. C'était dans le foyer de la salle, donc ouais. C'était à l'endroit où il y avait le box-office, donc c'est à l'endroit où le public peut encore acheter ses billets. Et en fait, c'est un foyer qui était ouvert au public. Nous, on n'a pas ça. On a un foyer qui est totalement fermé au public et qui dans ce cas-ci, ça n'aurait pas été possible. Mais donc, voilà, on prend toute une série de mesures. On a des portiques de sécurité. Aujourd'hui, d'ailleurs, on constate que les spectateurs sont demandeurs et sont reconnaissants qu'on pratique des fouilles systématiques pour l'entrée des salles de concert, et sont plutôt inquiets quand ce n'est pas le cas. Mais depuis 2 ans, on le fait déjà. Ça, c'est pour la salle de concert, mais c'est tout un parc, hein, 115 000 m² que vous gérez. Comment vous faites pour rassurer vos clients et le public aujourd'hui? Alors, on a eu effectivement en 2016, là, était une année dramatique suite aux attentats à Bruxelles, et on avait des événements à Brussels Expo lors des attentats, et ça a touché des infrastructures qui sont utilisées par nos visiteurs, puisque c'était à la fois l'aéroport et les stations de métro. Alors, on a pris énormément de mesures au niveau de Brussels Expo. On a d'ailleurs parfois investi dans les choses qui n'ont pas été utilisées. On a changé totalement nos procédures de sécurité, et aujourd'hui, en tant qu'infrastructure, on doit pouvoir proposer à nos clients organisateurs des mesures. Donc on a notamment investi dans ces portiques de sécurité, dans des systèmes de double enceinte comme vous avez dans les stades, donc avec des portiques circulaires où personne ne peut pénétrer. On a des blocs de béton qui empêchent les voitures de rentrer dans l'enceinte. Et on a des systèmes technologiques aussi comme les accréditations. Donc aujourd'hui, au niveau de Brussels Expo, chaque personne qui pénètre dans l'enceinte doit être accréditée. Auparavant, si vous étiez fournisseur et que vous veniez faire une livraison de restauration, par exemple, vous n'étiez pas fouillé et accrédité. Aujourd'hui, c'est accrédité. Et par exemple, lors du montage, c'est impossible de fouiller tous les véhicules lors d'un salon Batibo. Il y a 3000 camions qui viennent monter des stands. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On monte tout. Et puis, la nuit avant l'ouverture, on fait passer des chiens renifleurs dans tous les palais. Et donc on s'est adapté. Et donc voilà, là par exemple, on a fait des exercices avec les services de sécurité, par exemple de mettre une bouteille de champagne en disant est-ce que vous la trouvez sur le toit du Palais 5. Et ils l'ont été le trouver. Donc il faudrait vraiment une fouille générale et très en détail de nos palais pour garantir la sécurité des visiteurs lorsque le salon ouvre. Et ça coûte un maximum d'argent, je suppose. Ah oui, ça nous a coûté beaucoup d'argent en 2016, énormément d'argent pour plus d'1,5 million d'euros qui ont été investis. En plus des moyens, donc qu'on avait déjà les caméras et autres, pour permettre la sécurité des visiteurs. Et aujourd'hui, touchons du bois, on n'a pas eu d'incident, aucun incident, et l'ensemble des visiteurs ont toujours été en sécurité à Brussels Expo. Un petit mot sur le Cirque Royal, rapidement, c'est cet été. Où est-ce qu'on en est d'abord dans la bagarre juridique avec le Botanique? Est-ce que c'est clôturé maintenant? Alors la bagarre avec le consortium Botanique Sport Palais est toujours en cours. Donc on a déjà gagné 4 fois, 2 fois au Conseil d'État et 2 fois en référé. On rappelle, le Botanique, en 2 mots, estimait que la ville de Bruxelles était juge et partie dans cette affaire qu'elle avait
voilà, privilégier quelqu'un de son camp. Oui, il faut rappeler quand même que la ville de Bruxelles est propriétaire du bâtiment, donc c'est quand même un petit peu une aberration. Quand on est propriétaire, on ne peut pas choisir de ce qu'on fait de son bâtiment. Ça, c'est la version du consortium. Donc, la bataille juridique est toujours en cours. Ben, on a gagné 4 fois et ils continuent à faire appel. Ça semble un petit peu de l'acharnement et d'être un petit peu mauvais perdant, mais moi, je ne peux pas les empêcher d'utiliser leur subsides et l'argent public pour entreprendre des actions juridiques contre nous. Ça ne vous empêche pas d'avancer, visiblement. Vous allez investir d'ici l'été pour... Oui, je pense que d'ailleurs, c'est notre core business, c'est effectivement d'entretenir des infrastructures et le patrimoine bruxellois. Donc cette salle est vraiment un joyau de Bruxelles, mais mérite effectivement des investissements et une modernisation, tout en gardant son cachet. C'est un budget conséquent que vous allez injecter dans le Cirque Royal ? C'est un budget conséquent sur la durée de la convention. Donc il y a eu des polémiques en disant que le Sport Palais, ils étaient prêts à mettre 3 millions d'euros d'investissement directement. On met bien plus. Donc en fait, dans notre business plan, on met plus de 10 millions d'euros sur la durée de la concession, puisqu'en fait, notre métier, c'est de dégager des moyens et on réinvestit 100% des moyens dans les infrastructures. Et donc, sur la concession, sur la période de la concession, on a envisagé plus de 10 millions d'euros d'investissement dans le Cirque Royal. Denis Delforge, pour conclure, voici quelques images de ce méga projet qui s'appelle Néo sur le plateau du Hesel, qui est donc un projet de logement, un projet hybride logement, salle de congrès, centre commerciaux. On va tout redessiner, pas tout de suite, mais quand même assez rapidement. Ça vous concerne évidemment parce que c'est votre lieu de travail. Vous en attendez quoi de ce grand projet urbanistique bruxellois, le Néo ? D'abord, je pense que c'est une superbe opportunité pour Bruxelles et pour le quartier du Hesel, qui méritait une réurbanisation, parce que c'est vrai que si on regarde ça, vu du ciel, on a disparate toute une série de parkings en plein air, etc. D'un point de vue urbanisme, c'était quand même pas une grande réussite et il fallait moderniser le site. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est des opportunités pour Brussels Expo aussi, parce que d'avoir un grand centre commercial, un parc de loisirs, un hôtel, un centre de convention sur le même site, ça va attirer immanquablement plus de visiteurs. Et donc ça, c'est une réelle opportunité pour nous. Mais aujourd'hui, il y a aussi le revers de la médaille, parce que malheureusement, on n'a pas de nouveaux bâtiments ou de nouvelles infrastructures sans chantier. Et aujourd'hui, on doit gérer les chantiers et garantir la mobilité sur le plateau pendant le grand événement. Ça va être chaud, ça, sans doute, pendant un moment. Oui. Mais ça a déjà commencé, donc le chantier de la STIP, puisqu'il y a aussi des aménagements de transport public qui ont déjà commencé sur le plateau du Hesel. Et donc, c'est de nombreux défis pour les équipes opérationnelles pour pouvoir continuer à accueillir les grands événements malgré les travaux. Vous allez avoir des billes dans le projet Néo ? Alors, en fait, ça fait 10 ans que Brussels Expo a financé toutes les études de Néo. Et puis, on a cédé la société qui avait été constituée pour cela à la région et à la ville, qui a racheté, en fait, l'investissement de Brussels Expo. On est actionnaire à hauteur de quelques pourcents dans... 1%, je crois. 1% dans Néo. Et donc, on est en train d'étudier aujourd'hui juridiquement les possibilités que Brussels Expo, comme acteur public du secteur événementiel, gère effectivement une série d'infrastructures dans le projet Néo. Et notamment la fameuse salle de congrès, enfin le complexe, ça va être une grosse infrastructure nouvelle. Ça ne va pas manger d'autres infrastructures existantes, ça va pas phagocyter. C'est très complémentaire. Donc Bruxelles n'avait pas un centre de congrès d'une capacité à accueillir des grands congrès internationaux. Donc là, il y a une plénière de 5000 personnes, ce qui n'existe pas en Belgique et ce qui permet d'atterrir des grands congrès. Vous avez des beaux palais quand même qui peuvent accueillir. Et en fait, historiquement, Brussels Expo effectivement gérait ce type de business d'attirer des grands congrès. Mais aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a eu des développements d'infrastructures de qualité dans la plupart des pays d'Europe. Sauf à Bruxelles. Et aujourd'hui, les congrès ne tournent plus dans les parcs d'exposition parce qu'on doit construire une salle plénière de 5000 personnes. C'est un coût exorbitant. On revient à la vétusté du bâti. Mais ce n'est pas tellement la vétusté. C'est qu'aujourd'hui, il y a une évolution en fait, du secteur des congrès où ils vont directement dans des infrastructures adaptées qui existent aujourd'hui, qui n'existaient pas il y a 20 ans. Et donc, il y a 20 ans, on construisait les infrastructures dans les palais. Et ça nous arrive encore de temps en temps pour des événements plus corporate à l'heure. Et aujourd'hui, en fait, les organisateurs de congrès ont besoin d'un grand centre de congrès avec toutes les infrastructures et tout l'audiovisuel nécessaire. Ça risque pas un peu de vider le centre-ville, ceci dit, ce projet Néo qui va capter là une clientèle intéressée par les centres commerciaux et puis aussi tout ce qui est logement, etc. Est-ce qu'on va pas un peu du coup déplacer l'attractivité ou vider un peu le centre-ville de son attractivité ? Non, je crois pas, parce qu'en fait, ça va être en fait un deuxième centre, mais qui ne sera pas du tout comparable au centre-ville en lui-même. Donc, rien que si on prend le centre de convention, c'est une infrastructure qui n'existe pas. Donc, en fait, il n'y a pas aujourd'hui, si on prend Square dans le centre-ville, ne gère pas des congrès de cette taille-là. Sur ce plan-là, ok, mais les centres commerciaux, il y en a quand même, on n'en manque pas, là, de moins en moins, d'ailleurs. Je ne sais pas si je suis la personne la plus adaptée pour répondre à cette question, mais je pense qu'une ville a besoin de plusieurs centres.
et que c'est pas spécialement concurrent. Donc moi je voyage beaucoup à Londres, à Paris, etc. Et on voit qu'en fait il y a plusieurs centres commerciaux et plusieurs centres-villes. Et Néo, il y a quand même une grosse composante d'être le centre événementiel de la ville. Déjà aujourd'hui le ESL c'est le centre événementiel. Et à cet égard-là, le fait d'avoir un centre commercial à côté me semble très complémentaire et une valeur ajoutée pour être le centre événementiel de Bruxelles. Vous y croyez, en tout cas, on va suivre évidemment ce dossier comme vous, on l'imagine bien. Merci Paul pour cette émission, merci Denis Delfort d'avoir été notre invité. On vous retrouve d'ailleurs dans le quotidien L'Écho de ce week-end. À très bientôt et à dans un mois pour un dernier Big Boss de la saison.